Tu as fini ta prière. En quoi est-ce que ça te gêne? Ça ne me gêne pas de savoir que tu pries. Tu sais que je t'ai toujours dit que c'est une très bonne chose, la prière. Et c'est bien d'avoir une femme pieuse, tu vois. Maintenant, si tu pries, c'est un plaisir. Mais je voulais te parler. C'est pour cela juste. Donc, je veux savoir si tu as fini de prier, tu me dis. C'est très important. Qu'est-ce qui est aussi important pour que tu viennes me courber pendant que je suis en train de prier? Tu ne pouvais pas m'attendre? Mon amour. Attends, si tu m'attendais au salon là-bas, qu'est-ce qui allait se passer? Écoute, chérie, écoute. Je ne suis pas venu là pour faire des problèmes avec toi. Je suis venu là parce que je veux être amené à comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans cette maison. Hein? Vois-tu, je t'ai fait savoir que je partais où? Je partais voir mon ami, n'est-ce pas? Je rentre de là, je trouve maman là au salon, elle est presque en pleurs. Elle a les larmes qui coulent sur ses joues. Et je ne sais pas, toi-même tu es sans ignorer qu'elle a la tension, hein, une forte tension actuellement, là, elle est hyper tendue. Et puis de l'autre côté, non seulement elle est hyper tendue, elle est convalescente. Maintenant, elle arrive là, je lui pose donc la question de savoir, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quel souci? Parce que j'ai même cru peut-être qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle venant du village ou quoi que ce soit. Elle me dit non, que je vienne te demander. Je lui dis donc, mais attends, je viens te demander, demander comment? C'est là où elle me dit, est-ce que tu ne constates pas que chaque fois que tu arrives ici à la maison, ta femme n'est jamais au salon, elle est toujours dans la chambre. Est-ce que tu ne constates pas que depuis que je suis dans cette maison, ta femme me prend comme son ennemi, comme son adversaire? Alors, moi, je veux comprendre un certain nombre de choses. Ma mère, là, ça fait 4 mois. D'accord. Elle est venue là parce que d'un commun accord, nous nous sommes décidés qu'elle vienne là. Maintenant, chérie, est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas entre maman et toi? Pour que je comprenne aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu as demandé des explications à ta mère. Voilà tout ce qu'elle a pu me dire. Ok, donc elle a été incapable de vraiment te dire la vérité. Tu es son enfant, non? Attends. Je pense que si tu es vraiment son enfant, elle se doit de te dire la vérité. La vérité, c'est laquelle? Si toi tu me la disais, peut-être si tu es au courant de quelque chose, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas entre maman et toi? C'est quoi le souci? Je ne Ok. te juge pas, je veux savoir. Je vais répondre à ta question, à tes questions, parce qu'elles sont nombreuses. Je vais aller point par point. J'ai tout le temps. Pour commencer, d'abord, tu m'as dit qu'on s'était attendu d'un commun accord pour que ta mère vienne. Oui. Ça, je ne le nie pas. Mais elle ne nous avait pas défini sa durée ici. Jamais elle n'a donné le temps qu'elle allait mettre. Généralement, quand une maman s'en va rendre visite à son enfant, c'est des trucs de 2 jours, 3 jours. On peut faire les exceptions d'une semaine, voire peut-être un mois de repos. Ça peut se comprendre. On n'a jamais conclu que ta mère allait faire 4 mois chez nous. Déjà, ça, je trouve que pour une femme, que son mari vit encore, c'est trop. C'est trop. Elle n'est pas veuve. Ta mère a son foyer. Voilà, et elle te fait savoir comme quoi, chaque fois que tu n'es pas là, je ne reste pas près d'elle, je viens toujours m'enfermer dans la chambre. Comment est-ce que je vais rester à côté de ta mère alors qu'elle me mène la vie dure? Hein? Elle te mène la vie dure comment? Comment? Oui. Ta mère est venue ici et elle a réussi à prendre les rênes de mon foyer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Oui. je peux te poser une question. Oui. Tu me donnes encore l'argent du mois, l'argent de ration, l'argent des factures. Réponds simplement par oui ou non. Non. Voilà. Tu le remets à qui? À maman, et tu sais Non, pourquoi? ouais. Tu le remets à À qui? maman, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas besoin de. Tu sais pourquoi? Mais tu sais Ouais. pourquoi? Tu es venu me voir pour qu'on
que ce soit un débat ou bien pour que je te réponde. C'est pour répondre à tes questions, non? Mais en même temps, on peut débattre parce que je peux avoir des questions à te poser. Tu m'as posé des questions. Quand tu dis que maman, je lui remets l'argent, tu sais pourquoi je le fais? Parce que j'ai trouvé pendant son temps de convalescence, quand ça a débuté, que ça faisait un problème de savoir que quand la fin du mois arrive, quand je te remets de l'argent, j'avais l'impression qu'elle ne se sentait pas bien. Elle m'en a parlé, elle me dit que je me rappelle de tout le temps que j'ai pu mettre dans son ventre, de tout ce qu'elle a eu à faire pour moi et tout. Ce n'est pas une femme. Donc, elle est ma mère et tu es ma femme. Et maintenant, le petit temps qu'elle est appelée à être là, elle aimerait bien avoir cet argent et le gérer. Et c'est pour cela que j'ai pris sur moi de lui donner. S'il te plaît. Donc, si je comprends bien, ta mère a pris le rôle de la femme dans mon foyer, quoi. C'est moi maintenant ta mère et elle ta femme. Comment est-ce que tu peux remettre mon argent de ration à ta mère? Ça veut dire que ta mère fait les achats dans ma maison. C'est ta mère qui décide des menus chez moi. Chaque jour qui se lève, bien même quand je veux te faire à manger, je fais à manger. Ce sont mes enfants qui mangent. Parce que quoi, après ta mère s'en va te concocter un autre plat. Donc tu ne manges plus ma nourriture parce que ta mère est là. Sous prétexte que tu te souviens du nombre de temps que tu as eu à faire à mettre dans son ventre, tu penses que moi je n'ai pas mis du temps dans le ventre de ma mère? Est-ce que ma mère vient gouverner mon foyer? C'est pas le cas. J'ai aussi une mère. Ce que ta mère fait là, tu imagines si c'est ma mère qui venait le faire ici? Je ne pense pas que ça allait te plaire. Alors si ta mère te fait le chantage comme quoi tu dois te souvenir du nombre de temps que tu as eu à mettre dans son ventre, mon cher ami, ça veut dire, comprends tout simplement que tu n'as pas encore grandi. Apparemment, tu as encore son bébé qu'elle allait. Tu es encore accroché au sein de ta mère. Hein? Alors, si ta mère veut bien faire tout ceci, je pense qu'il serait donc mieux que ta mère devienne actuellement ta femme. Comme elle a fini son rôle de mère, il faudrait maintenant qu'elle vienne jouer le rôle de femme dans ta vie. Et pourtant, je suis là. Non, je ne dis aucune bêtise. Je dis ce qui est et ce que ta mère fait. Trouves-tu normal ce que ta mère fait? J'ai une mère, n'est-ce pas? Je t'ai dit, c'est pour un temps. Non, il n'y a pas de temps. Juste ta mère ne peut pas venir gouverner mon foyer. Je suis c'est mon foyer. Je fais de mon foyer ce que je veux. Et ta mère, quand elle vient chez moi, elle s'aligne. Ta mère s'aligne parce que c'est ma maison. Je n'irai pas chez elle et lui dire de faire ci ou ça ou prendre l'argent du moi chez son mari. Chérie, monsieur, ne me coupez pas. Je t'avais dit d'être patiente tout simplement. Elle est là pour combien de temps? Ok, le temps peut-être de patience, que je pense que je ne devrais. Non. Quand elle est venue, c'était la même chose. Un mois après, tu as dit, je pense, dans une ou deux semaines, elle va partir. Nous en sommes déjà à 4 mois. Qu'est-ce que te prouve que ce n'est pas pour une éternité? Tu penses que les ajustements de ta mère là, ta mère est venue de bonne foi, ta mère n'est pas de bonne foi. Je ne pense pas que si j'étais sa fille et que la belle-mère de sa fille faisait ça à sa fille, elle allait être fière. Rob, grandis, tu es encore sous les jupons de ta mère. Il serait donc mieux que je vous laisse le lit. Vous dormez à deux. Déjà, on dort déjà ici à cesse trois. Cesse de faire des bêtises. Ici à trois. Arrête. Ta mère est venue. J'ai dit comme les enfants, le lit à l'étage, elle dort en dessous, les enfants dorment en haut. Elle a dit jamais. Elle ne peut pas venir dormir sur le lit des enfants. Et alors qu'elle est là à la maison de son enfant, où son enfant paye le loyer, où c'est son enfant le chef de famille. Nous partageons le lit avec ta mère. Tu trouves ça normal? J'ai dit arrête de dire des bêtises. Tu trouves ça normal? Arrête. Que ta mère dorme sur mon lit? J'ai une mère, je t'ai posé une question. J'ai une mère, non? Elle est là pour combien de temps? Si elle dort, si maman dort sur notre lit ou même dans notre lit, où est le problème? Je pense pertinemment que c'est ma mère, hein? Et c'est ta mère aussi par ricochet. Tu ne devrais pas te comporter ainsi. Je dis comprends là. Et là, j'ai en train de partir. Hein? Elle est en train de vieillir. Peut-être aussi, prends ça. C'est sous le coup de la vieillesse, peut-être qu'elle fait toutes ces choses-là. Ta mère est consciente de ce qu'elle fait. Oh, quand je veux laver les habits de ta mère, elle me trouve en train de laver ses habits. Elle me les arrache. Je ne dois pas laver ses habits. Tu m'as déjà dit une telle chose. Je vais mettre la poisse. Tu m'as déjà dit une telle chose, oui, concernant les habits. Tu es sérieux? Non, tu ne me l'as jamais dit. Je ne suis jamais venue me plaindre du comportement de ta mère chez toi. Tu es sérieux? Écoute. Ma mère est venue dans cette maison 2 fois. Première fois, c'était pour venir voir où je vis. Deuxième fois, c'était quand toi, tu étais malade. Ma mère est venue te rendre visite. Elle a insisté pour rentrer. Mais moi, j'ai supplié ma mère qu'elle ne peut pas rentrer dans la nuit.
pour qu'elle dorme pour partir le matin. Donc elle a dormi ici malgré elle. Et ma mère a dormi où? Sur le lit des enfants. Mais la tienne, comme c'est la tienne, et que c'est, ici, c'est sa maison, c'est elle qui fait ce qu'elle veut, c'est elle qui prend des décisions, ta mère a joué son rôle. Je pense qu'elle elle a déjà eu à me passer la passe, à me donner la passe pour que je continue où elle s'est arrêtée. Alors si elle voit que je ne peux pas continuer, il faudrait qu'elle prenne alors cette place. Et tu me laisses partir, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Son mari, oui ou non? C'est le cas, mais alors, je te laisse partir pour aller où? Parce que je me rends compte que je n'ai pas de place ici, dans ta vie, dans ta maison, dans ce foyer. Je n'ai pas de place. C'est ta mère qui prime dans mon foyer, ce qui n'est pas normal. Tu trouves que c'est normal ce que ta mère fait? Non. Et tu attends quand quand tu vois tes ajustements, tu penses que tu es un monsieur autonome? Tu penses que tu es indépendant? Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que tu es encore un bébé à maman. Et tu n'as pas encore grandi. Écoute, ta mère te voit toujours comme ce petit garçon de 6 mois à qui elle donnait le sein. Et toi, tu te laisses aussi berner. Aujourd'hui, ta mère te dit, comment est-ce que je vais rester auprès d'une femme qui ne m'aime pas? Auprès d'une femme qui ne me supporte pas? Quand je suis au salon, je veux visionner chez moi. Ta mère vient, elle ne veut pas savoir si je suis encore en train de regarder ce qui passe. Ou bien ça me plaît ou ça me déplaît. Elle prend la télécommande, elle arrache la télécommande entre mes mains. Elle zappe la télé. Chez moi, maintenant, je devrais avoir les chaînes sur lesquelles je ne m'assois pas. Donc, je suis obligée donc de venir rester dans ma chambre. Pourquoi est-ce que je vais rester à côté d'elle? Elle ne m'aime pas. Ta mère ne m'aime pas. Ou alors, elle ne m'apprécie pas. Ou c'est comme elle t'a dit que je suis... Elle me prend, je la prends pour ma rivale. Mais non, je me rends plutôt compte que c'est elle ma rivale. Ta mère est venue me concurrencer chez moi. Écoute, chérie, tu vas me dire que c'est pour un temps, je devrais le supporter, mais jusqu'à quand? Écoute, mon amour, écoute, je souhaiterais à un moment donné que tu puisses te mettre à ma place. Tu vois, on ne choisit pas une mère. Tu comprends un peu? Je suis venu dans ce monde par l'entremise de cette femme-là. Je n'ai pas demandé à Dieu de naître entre ses mains. De vivre dans son ventre et d'être son enfant. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une chair. Mais pour nous là, c'est quoi? Pour nous là, c'est quoi? Toi, tu es plutôt en train de quitter maintenant ta femme pour repartir t'attacher à ta mère. Chérie, c'est ce que Dieu avait dit. La même parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Je me dois d'honorer mes parents. Est-ce que mais qui a dit que tu déshonorais ta mère? Donc, honorer ta mère, c'est de lui donner la place de ta femme? Non. Et alors? Non. Mais maintenant, je suis en train de t'expliquer un petit truc simple. Je t'ai dit, on ne choisit pas une mère. Je suis né entre ses mains. C'est Dieu qui l'a voulu. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai eu à faire l'éducation de ma mère. Comprends qu'elle a grandi, elle a eu des parents. Si maintenant, elle a une mauvaise éducation, disons-le comme ça, si elle a mauvais caractère, chérie, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais la prendre et aller la changer dans un marché, dans un supermarché? Si ta mère avait eu une mauvaise éducation, comment est-ce qu'elle aurait fait pour vous éduquer? Non, mais voilà, aujourd'hui, donc, comprends que ta mère connaît ce qu'elle fait. Ta mère est tout simplement démoniaque. Je ne te montre pas contre ta mère. Ça, chérie. Je ne te montre pas contre ta mère. Je n'essaie pas de te séparer de ta mère, mais... Vraiment, ta mère n'est pas une bonne femme. Voilà un livre de Dieu que tu as en main. Je suis en train de prier, mais je te dis la vérité. Raison pour laquelle je me consacre dans ma prière. Et arrête donc de dire. Raison pour laquelle je me retourne vers mon Dieu. Parce que je ne voudrais pas mal répondre à ta mère. Ta mère est ma mère par alliance. La prière prend donc l'amour et le pardon. Mais je pardonne à ta mère, mais c'est ta mère qui te montre contre moi. Aime-la aussi. Ta mère te montre contre moi, pourquoi? Non, elle ne m'a pas monté contre toi. Si j'étais en train de croire toutes ces choses-là, je ne serais pas assis. Si ta mère ne t'avait pas monté contre moi, comment est-ce qu'elle allait venir te dire que depuis que je suis là, je ne supporte pas que ce soit ta femme qui vient me donner l'argent pour aller à l'hôpital. C'est monté, c'est descendu, c'est gnagnagna pour acheter mes remèdes. C'est mieux que toi, tu me donnes l'argent pour que je gère la maison. En fait, chérie, tu penses que ta mère, ce qu'elle fait là, c'est bien? Non, ce n'est pas bien. Je n'ai jamais apprécié ce comportement d'elle. Mais tu encourages. Non, je n'encourage même pas. Mais non, si tu n'encourageais pas, tu n'allais jamais lui donner l'argent pour qu'elle gère ce foyer. Je t'ai dit, c'est pour un temps. Comprends ça comme mais ça, c'est juste quand? Pour un temps. Le temps qu'elle s'en aille. Et qui t'a dit que ta mère est prête à partir? Elle s'en ira. Elle t'a dit qu'elle est prête à partir? Elle s'en ira. Avoir les allures de ta mère, je ne pense pas qu'elle est prête à partir. Nous allons faire les choses simples.
Déjà, d'un, je te remercie parce que jusqu'ici, je vois comment tu gardes ton calme. Tu ne m'as pas appelé pour pouvoir me dire quoi que ce soit. Tu vis ton martyre. Je te comprends parfaitement. Alors, nous allons faire une chose simple, d'accord? Donne-moi maximum 2 mois. Je fais partir maman, d'accord? Je vais tout faire pour qu'elle s'en aille, mais qu'elle s'en aille dans la tranquillité. Je ne voudrais pas qu'elle parte et qu'elle se dise quelque part, tiens, voilà, Rob, je garde suis désolée. Dents à ma belle-fille. Je suis désolée, je ne peux pas t'accorder 2 mois. Pourquoi, chérie? Et même si je t'accorde 2 mois, son traitement je ne te demande pas de faire partie de ta mère. Je t'accorde une seule journée pour régler cette situation. Mettre ta mère à sa place et me donner la place qui me revient. C'est tout ce que je te demande. Les 2 mois que tu me demandes, là, c'est trop long. C'est trop long. Je ne peux pas supporter ça. Je refuse. Tu me demandes de faire quoi? Je dis, tu as une journée pour remettre ta mère à sa place et me remettre aussi à ma place. Chérie, j'ai l'impression que tu me demandes de choisir entre ma mère et toi. Je n'ai jamais dit ça. C'est donc quoi le souci? Je n'ai jamais dit la ça. La remettre à sa place, je vais l'agrandir, je vais faire quoi? Je vais lui parler. Fais asseoir ta mais mère. Mais maintenant. Fais asseoir ta mère. Que je vous fasse donc asseoir toutes les deux. Il n'y a pas de problème. Dis à ta mère, maman, il faudrait que tu saches que tu as fini de jouer ton rôle de mère. Et ma femme aussi continue. Maintenant où tu as laissé. Aujourd'hui, c'est ma femme. Ma femme peut aussi, en même temps, de temps en temps, être ma mère. Ma femme, c'est ma femme. C'est elle qui vit mon quotidien. C'est elle qui joue, qui vit mes peines, mes joies. C'est elle qui connaît tout. Toi, tu as vécu ça quand j'étais petit. Maintenant, j'ai grandi. Libère-moi. Dis ça à ta mère que maman, libère-moi. Je le lui dirai. Donne-la. Mais maintenant, elle a une santé fragile. Est-ce que tu penses un peu en certains moments si je m'assois et je commence à dérouler, hein, toutes ces choses qu'elle fait, donc tout ce mauvais comportement quand d'elle il s'agit devant de elle. Écoute, dis-moi, si elle vient à perdre conscience là ou bien même à piquer un AVC, que ferions-nous? Tout simplement parce que tu as eu à lui dire la vérité. On ne sait jamais. Je te parle de sa santé qui est fragile actuellement. Attends, ta mère n'a pas une santé fragile quand elle me fait du tort. Bon, écoute, nous allons faire simple donc. Comme elle m'a demandé, elle m'a parlé de toutes ces choses-là. Les remettre sur la table immédiatement aussi comme ça, ce ne sera pas bien. Je suis venu te parler. Toi, de ton côté, garde ton calme. Je vais parler aussi à ma mère. J'ai compris tes plaintes, d'accord? Ce que je vais faire, c'est me rapprocher d'elle, lui parler. Et puis maintenant, donne-moi donc néanmoins une semaine pour que je vous fasse asseoir ensemble, d'accord? Entre-temps, moi-même, je vais tout faire. Hein? Histoire de l'observer et voir tout ce qu'elle te fait. Tout ce qu'elle mène comme mauvaise vie à ton endroit. Rob. S'il te plaît, chérie. Rob. S'il te plaît. Rob. Oui, je t'ai appelé combien de fois? 3, 4 fois, je ne sais pas. J'ai perdu la tête. C'est une semaine là. Mon je amour. Ne suis pas prête à te donner une semaine. Tu as compris? Je me rends compte que tu n'as pas grandi. Il faudrait que tu grandisses encore. Ça veut dire quoi, chérie? Tu es encore le bébé à ça maman. Ça veut dire quoi? Hein? Tu es le bébé de ta mère. Je pense qu'il faudrait que tu aies encore assez de temps pour grandir. Oh là là. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Quand elle se comporte comme ça, quand elle fait tout ça, elle au moins, elle devrait me comprendre. Maman là-bas, elle fait ça. Elle de son côté, qu'est-ce que je vais faire? Je suis entre le marteau et l'enclume là. Hein? Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi franchement. Que je sache quoi faire véritablement. Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est difficile pour moi de vivre ainsi. Oh. Tous les cas, je pense qu'elle finira par me comprendre. Qu'elle me comprendra finalement. Pense véritablement.